Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Retro et Indie Gaming où cette fois-ci je vais jouer à un jeu qui m'est particulièrement cher du fait que donc il s'agit de Cave Story d'Okutsu Monogatari, un jeu indépendant fait sur PC par un mec qui s'appelle Pixel, un seul japonais qui a tout fait tout seul. Et ce jeu m'a touché parce que bon, c'est un jeu génial déjà. Et à l'époque, il n'existait que en anglais et il m'avait tellement plu que j'ai décidé de le hacker un petit peu pour faire une version française. Et c'est donc d'ailleurs avec cette version qu'on va jouer aujourd'hui. Et Cave Story a eu énormément de succès récemment depuis qu'il a été sorti sur Wii, sur 3DS ainsi que sur Steam. Et on va donc jouer avec l'original de ce jeu traduit en français directement par le traducteur lui-même. Et je vais essayer de jouer du mieux que je peux. C'est parti. J'essaierai d'avoir la meilleure fin, mais quelque part, une transmission. Sou, tu es là, c'est moi, Kazuma. J'ai réussi à m'échapper, mais je me suis perdu. J'ai trouvé un abri, mais il n'y a rien dedans. Si tu m'entends, réponds-moi, s'il te plaît. Et voilà, le jeu commence. Donc je suis ce petit bonhomme-là. On va sauvegarder quand même. Nous voilà dans la première cave. Et là, je me souviens, la toute première fois que j'ai joué, j'ai fait ça exactement, regardez. Voilà, je me suis croûté dès le début, quoi. On va essayer de ne pas se faire avoir une nouvelle fois. Ces piques, ils font pas énormément de mal quand on a bien avancé dans le jeu, mais dès le début, ils vous tuent direct, hein. Faut faire attention. Capsule de vie, c'est toujours utile. Alors ce jeu reprend à peu près le principe à la fois de Castlevania et de Metroid. Puisque c'est un jeu de plateforme où vous baladez à peu près partout, un petit peu à la manière en fait mélangée d'un Mario et d'un Zelda. En fait. Puisqu'il y a toujours des quêtes où il faut revenir à certains endroits, et tout ça en 2D. Cherche utilisateur Sou. Un utilisateur Sou trouvé. Sou, réponds-moi, il te recherche. Tu dors ou quoi? Ton frangin se sent seul. Donc voilà, ça y est, je viens de récupérer la première arme du jeu, l'étoile polaire. C'est une arme qui paye pas de mine au début, mais une fois que j'aurai récupéré quelques fragments de puissance comme cela, je vais pouvoir l'améliorer un petit peu plus. Attention de ne pas me faire toucher, sinon je perds l'expérience de l'arme. Mes cœurs, vous l'avez deviné, ça redonne de la vie. Hein. On ne change pas un principe qui gagne. Hop, excusez-moi. On sauvegarde. On prend la route. Que j'ai l'étoile polaire, je vais pouvoir démolir ces blocs et pouvoir avancer dans le jeu. Comme quoi, vous n'attendez pas à essayer de finir le jeu sans armes, mais c'est pas possible. La première fois, je me suis fait avoir avec cette porte et m'a complètement défoncé. Ah, ça y est, nouveau niveau. Vous voyez, maintenant que j'ai augmenté le niveau, j'ai récupéré assez de fragments pour avoir une puissance de tir un peu mieux. Sou, réponds-moi, j'ai tellement faim. Il n'y a rien à manger, je vais être réduit à bouffer des capards. Lol, c'était pour rire. Cela dit, si je pouvais, je le ferais vraiment. Donne-moi la clé. Non, je refuse. Tu essaies de protéger Sou, n'est-ce pas? C'est une étrangère, elle n'est pas des nôtres. Sou est une bonne personne, je ne la trahirai pas. Doroko, quand le docteur reviendra, tu sais qu'elle capturera encore un des nôtres. Si on ne lui donne pas Sou, ce sera peut-être toi la prochaine. Mais... La clé, Doroko. Les coups, je vais me faire engueuler, moi. Quoi? Tu n'es pas un ennemi des Mimika? Je m'en doutais. Je m'appelle King, le numéro 1 de ce village. Ce qui n'est plus grand-chose, vu que nous ne sommes plus que 6. Enfin, 7 en comptant Sou. Elle n'est pas des nôtres, cela dit. C'est une étrangère qui s'est montrée récemment. Alors, King, c'est vraiment mon personnage préféré, celui-là. Il a un côté badass que j'aime bien. S'il te plaît, voilà.
Fabrizio? Ouais, je la connais. C'est la mignonne qui reste tout le temps chez Feu Arthur, c'est ça? Elle est passée par là il y a quelques temps. On l'a retrouvée ici, trempée dans le réservoir. Elle a pas l'air de nous apprécier beaucoup. Je comprends pas pourquoi. Elle est une mimiga, elle aussi. Il y a un truc qui brille là. En entier. C'est un objet qui va avoir son importance à un moment. Allez, vite, vite, faut pas que je coule non plus. Ah! Hop, là, te recouvre. Reviens ici, toi. Donne-moi la clé. Non! Pauvre King, il s'en prend plein la gueule. Toroko, il ne t'enfuira pas comme ça. Voilà. Je sais où faut retrouver Toroko, mais on va visiter un petit peu ce qu'il y a d'autre ici. Il y a quelques objets intéressants à récupérer. Chompion. Oh, tu m'as fait peur. Sio? Oh oui, la fille de chez Arthur, hein. Elle vit avec Toroko. Une douce fille, oui. Elle recherche une sorte de dragon des cieux. Des dragons qui volent dans le ciel. Ces trucs-là existent réellement? Bien le type que, le genre de type que c'est. Là, on va pouvoir sauvegarder. Alors ici tout en haut se trouve la ferme Yamashita, et à cet endroit qui sert pratiquement à rien dans le jeu se trouve une capsule de vie. Ou pas rien. Je pense que cet endroit a son importance à un moment dans le jeu, on verra bien. Pas sûr de me rappeler, ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Alors je me souviens, quand j'avais la traduction de ce jeu, j'avais fouillé un peu le code du niveau, et j'ai remarqué que juste à peu près à l'endroit où je me trouve, il y a un bloc qui est impossible à accéder, où un objet se cache dedans, et l'objet s'appelle Griffe. Et c'est un objet qui n'est pas du tout utilisé dans le jeu. C'est pas vraiment ce qui était prévu de faire avec cette Griffe au départ. Est-il qu'elle est là, quoi. Bon. Maintenant qu'on a la capsule de vie, on récupère le GPS. Il est écrit, si tu utilises ton esprit d'exploration, tu trouveras la sortie. C'est mon souhait le plus cher. Alors le GPS, ça sert à ça. Si je trouve la bonne touche, voilà. Ça permet d'afficher la carte de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Voilà. Maintenant, on va retrouver Toroko. Banzai! Vilaine! Hic! Au secours, au secours! Hein? Tu n'es pas du côté du docteur? Oh, désolé, j'avais peur, le docteur est vraiment méchant. Il vient au village parfois pour nous capturer. Parfois même, il vient nous tuer. Comme mon frère, il a tué mon frère. Oh, cependant, type, tu l'as retrouvé? Tu me l'avais donné. Enfin, je préfère ne pas le reprendre. King a les oreilles qui voient rouge quand il me voit avec ça. Tu peux le garder. Et voilà Balrog. Ouais, tu peux pas te cacher. J'ai le flair d'un chien de chasse. En effet. Le flair et j'oserais ajouter la cervelle aussi. Misery, je l'ai vu en premier. Vous êtes avec le docteur, n'est-ce pas? Alors tu es sous, hein? Le docteur peut chercher. Viens avec nous. Quoi? Je suis pas sous. Léa! Balrog, charge-toi du reste. Non, attends, vous êtes trop... Pas encore, c'est toujours à moi le sale boulot. Et je l'avais vu en premier. Alors tu vas faire quoi? Tu vas me battre avec ton petit jouet? Alors là j'ai le choix. Si je choisis non, il s'en ira tout simplement. Mais si je choisis oui, je l'affronterai et je pourrai gagner des fragments de puissance. Donc je vais choisir oui. Alors viens te battre. C'est parti pour le premier combat avec cette espèce de... Lunchbox valise toaster truc machin avec des yeux de chat. Vous voyez, le premier combat était facile. Hein. Il se contente juste de courir et de sauter s'il a le temps. Voilà, super. Maintenant, Toroko a été enlevé. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Hein? Toroko a été kidnappé? Ça craint ça. Maintenant, la seule fille du village, c'est Sou. On va prévenir Jack. Quoi? Toroko a été kidnappé? Oh non, il faut prévenir King tout de suite. Du coup, il met ce passage.
Alors, je sais pas si vous le voyez là, mais quelque part là dans l'herbe, là où je me situe, il y a un petit bonhomme qui bouge, qui me dit rien pour l'instant, qui me dit juste ouais quoi. Le petit bonhomme aura peut-être son importance dans le jeu selon ce que vous faites. Vous verrez un petit peu plus tard dans un autre épisode. Et voilà où se trouve la tombe d'Arthur. Sigil, le noble Arthur, véritable héros des Mimiga. Trouver clé d'Arthur. Voilà, ce qui va nous permettre d'aller chez Arthur. Évidemment. La clé d'Arthur permet d'aller chez Arthur, hein, évidemment. Et là, nos deux Icotos, qu'ils font ? Doroko, je ne crois pas. Son frère aîné, Arthur, était un fabuleux guerrier. Mais il a été tué par un des sbires du docteur. Et maintenant, je n'ai pas pu la protéger. Il y a deux clés pour la maison d'Arthur. Doroko a l'une d'entre elles. L'autre est cachée dans le cimetière Mimika. Bah, c'est bon, là, je l'ai, la bonne clé. Utiliser clé d'Arthur. Et nous voilà chez Arthur. Voilà. Et pour l'instant, je vous laisse là, puisque je vais pas avoir assez de place pour vous montrer le premier vrai niveau du jeu. Donc, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et je vous dis bah, à la prochaine !